Salut tout le monde, c'est Richard. Aujourd'hui, vidéo Top 10 Gaming 2017. En 10e position, Conan Exile, un jeu où tu dois te fabriquer armes et armures pour aller péter la gueule de spectres et de monstres mythologiques, sans oublier de boire et de manger. Tu fais une maison, tu fais une base, tu craves ton feu, tu craves ton lit, tu craves tes murs, ton toit. Will you survive? Or will you dominate? En 9e position, Bulletstorm Full Clip Edition. Gun badass, attitude badass, perso badass. C'est un jeu où tu vas avoir du fun à jouer parce qu'il est badass. Huitième position, Injustice 2 au PC. Quoi de mieux que Batman qui se prend pour un super-héros? Numéro 7, Destiny 2. On prend un peu de Diablo et on met un peu de Warcraft ici avec une touche de Borderlands. Et qu'est-ce que ça donne comme recette? C'est pas mauvais du tout. Ça goûte très bon dans la bouche. The war is over. And we've lost. Our numbers will continue to dwindle. We can no longer protect ourselves, much less the survivors. We all know what needs to be done. Numéro 6, Forza 7. Ouais, c'est fait drôle. Je l'ai mis en 6, j'aurais pu mettre en 7 sur tout le max. Non, il vaut sa place en 6e. Des belles voitures, graphiques incroyables. C'est Forza, quoi. Numéro 5, je me donne ça à South Park The Fractured Butthole. Yeah, ce jeu-là avait des attentes incroyables. Le monde s'attendait à un jeu vraiment ça la coche parce que son prédécesseur avait fait un tabac. Beaucoup de critiques négatives, mais beaucoup de critiques positives. Moi, je suis dans ceux qui ont vraiment apprécié. Je lui donne un gros thumbs up. Numéro 5, Job's Done. Friends assemble! Freedom pals, unite! Motherfucker! You're such a dick, Coon! Mosquito, away! Super Craig is gay. Tana! Until next time. Do the fuck? Oh! Are you shitting me? Fast pitch! Child
than a dark room for 2 minutes without you bastards showing up. South Park, the fractured but home. Numéro 4, je le donne à Fortnite, mais je donne pas au Battle Royale de Fortnite. Je le donne au jeu original. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se construire sa propre forteresse pour défoncer la face de waves de zombies qui s'en viennent sur toi? Now, it's time to fight back. All we need is a leader. And that's you. Sure, it'll be dangerous. I mean, yeah, there's monsters. A lot of monsters. But we've got massive forts. Killer traps. And piles of loot. If we stick together, they don't stand a chance. This is our world, and it's time to take it back. Numéro 3, Ghost Recon Wildlands. Co-op, 4 joueurs, des headshots à 1600 mètres. C'est pas, on s'attend, c'est un jeu vidéo. Mais, côté réalisme, faut que tu planifies tes attaques. Tu joues en squad, tu joues avec tes chums. C'est, je n'ai pas assez des heures à avoir du plaisir sur ce jeu-là. Les conneries qu'on a pu faire, les fous rires qu'on a eus, les moments de tristesse, les hommes qu'on a perdus. We are hunters. Blending so deep into the environment, we become part of it. We are adventurers. Doing what no one else dares. We are watchers. Seeing everything. Never being seen. Leaving no trace. We are scholars, studying our enemies, so we can hit them where it hurts. We are judges, deciding who will live and who will die. We are ghosts, and we do not exist. Mon numéro 2, F1 2017. Plusieurs se seraient dit « Ah, mais Richard, toi qui es un grand amateur de course et de Formule 1, tu aurais pu le mettre en première place. » Pas cette année, vous allez comprendre. F1 2017, quoi dire à part que le 2016 n'est pas dans le game. Et le numéro uno, Zelda Breath of the Wild. J'ai eu des frissons, j'ai eu de l'émotion, j'ai eu des pleurs. Zelda, c'est un jeu de mon enfance, ça va toujours le rester. Autant à Link to the Past, qui est vraiment mon premier Zelda que j'ai fait au complet, que les deux premiers, Legend of Zelda, Adventure of Link, à la NES, je les ai tout fait. Et lui, c'est le premier que je peux dire qui vient à côté, à mon cœur, à moi, à Link to the Past. Autant pour l'histoire que pour le gameplay, les graphiques, tout ce que tu peux faire, c'est incroyable. La famille de Hyrule est aussi l'histoire de la Calamity Ganon, un primal evil qui a enduré over the ages. We'll be right back.
me, however. I think you are now ready. Ready to hear what happened 100 years ago. Mention spéciale à The Division, c'est sorti pendant cette année, mais avec tout le travail qu'ils ont fait, les DLC, les patchs et tout, on a l'impression de jouer un nouveau jeu. Donc ça redonne une deuxième vie. Puis j'ai le fun. J'ai payé pour de quoi. Puis j'en ai pour mon argent. Même si j'avais mis plus que 100 heures pour la première fois. Puis quand tu te dis, ouais, ben à partir de 100 heures, c'est rentable. To pick it up. To push back. Put the first piece back together. Put us all back together. Ça complète mon top 10 2017. Ciao!